Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ma part, tout va bien. À part Alia qui est maintenant enrhumée. Donc, je pense clairement que c'est à cause des dents. Elle est en train de me sortir les canines. Voilà, elles sortent. C'est énorme comment c'est gonflé, sa gencive, la peau. J'ai mal pour elle. Et là, maintenant, elle a le nez qui coule. Donc, elle a commencé par nous faire 48 heures de fièvre la dernière fois. Plus de température. Ensuite, elle a vomi. Des glaires. Et là, elle nous fait un peu. Elle a le nez qui coule, elle éternue. Elle est un peu encombrée, donc voilà, elle se frotte le nez. Donc j'arrête pas de lui faire la pipette pour pas que ça descende sur les bronches. Ça va, le doigt dans le nez, ma fille? Ma peau, mon peau. Kalia, c'est pas possible. Nadia va jouer dans sa chambre. Au fait, je vous ai pas dit, mais demain il y a une nanny qui va venir à la maison et qui va faire un test. Je vous avais dit que j'avais prendre une nanny. Tout simplement pour, surtout le soir, quand on a envie de se faire un resto en amoureux avec G ou avec des amis, que la petite elle reste pas seule à la maison en train de dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, je vois mes copines ici et tout, elles ont toutes des nannies et ça leur sert, ça les aide de fou. Et rien que par exemple, quand G, lui, il va partir en déplacement ou bah voilà, hein, il va essayer de travailler ici aussi. Donc, Si j'ai besoin de faire des choses, bah, au moins elle est avec moi, elle va m'aider, enfin voilà. Et donc demain, on en teste une qui va venir à la maison quelques jours et on va voir comment ça va se passer avec. Genre, bah voilà, hein, c'est mon bébé. Mais je veux quelqu'un qui est là pour m'aider au cas où et surtout pour le soir pour garder Alia. Voilà, donc... Regardez le petit avec le coton. Mon frère pour communication. Allez, tap, 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 tap. Ça, c'est pas une nerveuse, cette petite. Respect. Bon, là on est parti se balader, donc là c'est notre maison, il y a les rosiers. Là, on est parti se balader avec le petit vélo d'Alia. La résidence fait un petit tour sec qui est trop kiffant, c'est que tu peux te balader et tout. On va aller voir, on découvre. Quand on prépare à manger.